Good morning, Alayi, Dan et Tusser, aujourd'hui le Nishmat Yaakov ben Aisha, Abraham, Chai, Norbert ben Fortuné, Mazal, Chai, Yadida ben Tester, Chai, Abatoudabar, Chaim ben Rosa, si vous êtes aussi dédié à notre prochaine étude de la Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Bechorot, Perektet Mishnah Hei, Shalosh Granot, Le Maaser Behema, Bifros HaPesach, Bifros HaAtzeret, Bifros HaChag. Divré Rabbi Akiva. Ben Azai Omer, Be'ezrim Betisha Be'adar, Be'echad Be'sivan, Be'ezrim Betisha Be'av. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Be'echad Be'nissan, Be'echad Be'sivan, Be'ezrim Betisha Be'elul. Velam Amru Be'ezrim Betisha Be'elul, Velo Amru Be'echad Be'tishrei, Bipine Shehu Yom Tov. Ve'i Efshar La'aser Be'yom Tov. Lefikach Ikdimuhu Be'ezrim Betisha Be'elul. Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah Le'maaser Be'ema. Ben Azai Omer, Ha'elulin. Alléluia, Elouliyin, Mitasrin, Bifnei, Atzman. Mishnah qui peut paraître un peu. Qui fait un peu peur, on donne plein de dates, c'est à la limite facile à traduire, mais si on comprend rien à quoi ça sert. En fait, ça se passe comme ça. On va parler dans notre Mishnah des moments, des bornes que nos maîtres ont fixées pour prélever le Maaser Behema. C'est-à-dire, d'abord, on va introduire une première notion qu'on a déjà évoquée, que le Maaser Behema. Le prélèvement des animaux, donc tous les nouveau-nés, il faut prélever, on ne prélève pas d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une date qu'on va découvrir à la fin de la Mishnah, en l'occurrence, c'est la marque qui va rentrer à Bimer et Ben Azaï, à savoir, est-ce qu'il va falloir fixer à une borne ou à partir de cette date débute la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on appelle une nouvelle année? Est-ce que c'est fixé selon le premier Tishrei, selon le premier Elul? Il y a sur ça une discussion, une marque. D'accord? On va prendre un temps donné, donc. On va partir selon l'avis, je crois que c'est celui de l'Alaha d'ailleurs, qui dit que c'est Elul, le premier Elul, il me semble. Imaginez, le premier Elul, c'est Rosh Hashanah et Maaser, comme ça on enseigne dans Masechet Rosh Hashanah. Arba Rosh Hashanah, on commence avec 4 Rosh Hashanah, il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, c'est la première Mishnah de Rosh Hashanah. Alors, il y a donc un Rosh Hashanah et Maaser Behema, qui est le premier Elul. Alors maintenant, depuis le premier Elul jusqu'au 29 Av de l'année d'après, tous les animaux qui naissent, eh bien, ils appartiennent à la même année, donc de ce fait, on le prélève un sur l'autre, c'est-à-dire on peut les associer. Si j'ai eu un animal en Elul, 3 animaux en Cheshvan, 4 en Av, peu importe, en Shvat, et puis après en Nissan, et comme ça, jusqu'à la fin de Av, j'ai réussi à avoir 10 animaux, et bien, fin de Av, je les amène tous dans mon enclos, et je les compte, et le 10e, je le rends Kadosh. D'accord? Parce que c'est la même année. Par contre, si on a eu 9 qui sont nés dans la première année, et puis un qui est né dans l'année d'après, eh bien, je ne peux pas les prélever un sur l'autre. Et ça ne s'associe pas. Les 9, ils seront dispensés de Maaser, parce qu'il n'y a pas 10. Et le 1, on verra l'année prochaine qu'est-ce qui naîtra dans mon troupeau. D'accord? Ça, c'est la première notion de base. Maintenant, deuxième notion. On a déjà évoqué que tant qu'on ne prélève pas le Maaser Behema, on a le droit, concrètement, de manger. Il n'y a pas d'interdit de la Torah. À la différence des trumot ou maasrot agricoles, ou de manière générale en tout cas, eh bien, je n'ai pas le droit de manger de ma récolte tant que je n'ai pas prélevé. Il y a un interdit de tevel. Eh bien, pour le maaser behema, il n'y a pas d'interdit de tevel. D'accord? C'est une deuxième notion importante à connaître. Maintenant, il y a encore une petite notion importante. C'est, on va d'abord commencer à parler d'ailleurs du maaser agricole. Vous savez comment ça se passe le maaser agricole? Les prélèvements trop automatiques. Tant qu'on est encore au champ en train de cueillir, qu'on n'a pas encore engrangé et que la production elle est prête à la consommation, prête à la vente ou à la consommation, et bien pour le moment on est dispensé du maaser. C'est à la fois très complexe, on apprend ça longuement dans maaser trop automatiques. Et là-bas donc, tant que je suis encore en train d'apporter les fruits, je suis encore en train de travailler, de les faire sécher mes figues ou peu importe, si j'en prends une, je suis pas obligé de prélever le trop automatiques. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle le goren. C'est un mot qu'on va évoqué dans notre Mishnah, c'est pour ça qu'il y a un produit, le goren. C'est le premier mot, Ezeu goren el maaser, c'est ce qu'on va évoquer ici. Le goren, ça veut dire engranger. Mais par extension, on utilise en fait le mot pour définir en fait toute borne, où dès lors, je t'impose de prélever, même si tu n'es pas obligé, même si, si tu ne le faisais pas, c'est pas grave, mais dès que je t'imposais de prélever malgré tout, eh bien ça s'appelle que maintenant on a fixé un goren. D'accord? Selon le même principe, maintenant on arrive à notre Mishnah. On va parler dans notre Mishnah que, pour des raisons qu'on va évoquer dans quelques secondes, Ramim ont fixé des bornes, c'est-à-dire où tu ne vas pas cumuler ton troupeau, tes nouveau-nés, et puis tu vas fixer une fois dans l'année, tu vas te mettre à prélever tous les nouveau-nés. Non. On va te fixer 3 bornes.
qui sont en rapport avec les fêtes, les trois fêtes. Il y a une raison, mais pour le moment, on va l'expliquer dans quelques secondes, mais d'abord je veux bien définir. Il y a trois bornes en rapport avec les trois fêtes, à l'approche de Pessah, à l'approche de Shavuot, et à l'approche de soit Sukkot, grossièrement, on va dire Sukkot, même si c'est pas exact, il y aura un petit paramètre qui va un petit peu modifier la donne. Mais en tout cas, Chachamim ont fixé qu'à ces dates-là, maintenant tu apportes tout ton troupeau, et tu vérifies, est-ce que tu peux prélever un maser, tu prélèves, et est-ce que tu ne peux pas prélever parce que tu en as plus que t'en as 7 supplémentaires, alors celles-là tu les gardes, et puis à la prochaine production, à la prochaine borne, tu les rapporteras et tu les prélèveras avec les futurs nouveau-nés. D'accord ? Chachamim ont fixé ces bornes. Pourquoi Chachamim ont fixé ces bornes ? Maintenant, c'est très intéressant. Alors, c'est lié au fait, effectivement, parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Un homme normal de l'époque, qui avait un troupeau, qui avait des nouveau-nés, de manière générale, les gens se retenaient de manger de la nouvelle production, même s'il n'y a pas d'interdit de le faire. Malgré tout, ça leur faisait plaisir d'offrir une BMA à Hachem, étant donné que de toute façon, pour les trois fêtes, on va monter au Beit HaMikdash, c'est pas une mitzvah où on perd beaucoup d'argent. Ça demande juste un petit peu, un petit souci de bien faire les choses, mais ça ne demande pas un petit investissement, mais ça ne demande pas un grand tracas. Et ça ne demande pas de perte. C'est une manière très belle de reconnaître Hachem que tout ce qu'on a, c'est grâce à lui qui nous le fait. Alors on prélève le maaser. Les gens, ils étaient assez méticuleux de bien faire cette mitzvah. Or, si on est méticuleux de faire cette mitzvah, alors imaginez que maintenant, j'ai passé tout l'hiver, j'ai eu des nouveau-nés. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant, les nouveau-nés, je ne vais pas me mettre à les vendre, parce que j'ai pas encore prélevé le maaser. Or, on a un intérêt à stimuler un petit peu l'économie à l'approche de Pessah. On consomme beaucoup plus de viande, les gens achètent des animaux pour monter à Yerushalayim, alors on a envie qu'il y ait plein de d'animaux en vente. Or, si on ne fixe pas de borne pour prélever le maaser, selon l'humeur de chaque éleveur, eh bien il va se mettre à il ne va pas forcément prélever, donc s'il ne prélève pas, il ne va pas vendre. Donc on va se retrouver avec un marché assez restreint et les prix qui vont flamber. Donc du coup, Chachamim m'ont dit, tu sais quoi, à l'approche de Pessah, puis ensuite à l'approche de Shavuot, puis ensuite à l'approche de Sukkot, plus ou moins, on va expliquer pourquoi il y a une petite nuance, alors on va te dire, on va fixer maintenant, ça y est, c'est la borne, et on va même mieux que ça, on va te dire maintenant, dès que cette borne elle arrive, tu arrêtes toutes tes consommations, tu consommes rien, tu te dépêches d'aller prélever maintenant. Comme ça, on est sûr que tout le monde va prélever, et ensuite on va se mettre à vendre les nouvelles bêtes, et ça va faire qu'il y aura plus d'animaux pour Pessah. D'accord, vous avez compris tout le principe de la Mishnah. Après maintenant, on va discuter sur des petites nuances, combien exactement à partir d'avant Pessah, combien avant Shavuot, combien avant Sukkot, ou pas exactement Sukkot, à cause d'un autre paramètre qu'on a déjà évoqué entre parenthèses, mais qu'on mettra le zoom dessus quand on y arrivera. On commence tout de suite à traduire. Eizehu, shalosh granot lemaaser bema. Il y a trois granges, c'est-à-dire trois bornes, où dès lors, on va t'interdire de consommer de la nouvelle production des animaux, tant que tu ne vas pas partir concrètement prélever le maaser. D'accord ? Trois bornes qui sont Bifros à Pessah, Bifros à Atzeret, Bifros à Chag. Pros, en hébreu araméen, ça veut dire la moitié. À la moitié du Pessah, à la moitié de Atzeret, c'est Shavuot, et à la moitié de Chag, c'est Sukkot dans la Mishnah. On appelle toujours Shavuot, c'est Atzeret, parce que là, c'est l'effet de clôture qui clôture Pessah, comme c'est écrit dans 5 minutes, en espérant que vous allez commencer à le recevoir. Et Atzeret et Chag, c'est toujours Chag, c'est Sukkot. Maintenant, c'est quoi cette moitié? On parle de quoi exactement? C'est simple. 30 jours avant la fête, tu dois commencer à prendre les halakhot de la fête. Tu prends ces 30 jours, la moitié, ça fait 15. En préparatif à la fête de Pessah, donc tu commences à prendre les halakhot. Dès que tu arrives à la moitié, maintenant, des préparatifs de halakhot, donc à 15 jours, à 15 jours d'avant Pessah, donc 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot, tu dois prélever le maaser afin d'augmenter, d'accroître les animaux en vente. D'accord ? Qu'il y ait plus d'animaux en vente, comme ça fait plus d'animaux pour pouvoir monter à Yerushalayim avec des prix plus bas et avoir plus de d'abondance à Yerushalayim. On continue. Maintenant, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. C'est l'avis de Rabbi Akiva. Maintenant, Ben Azaï, il va nous dire non, je ne suis pas d'accord exactement avec toi. Je suis pas mal d'accord, mais pas exactement. J'ai des petites rectifications. Toi, tu as dit 15 jours avant Pessah, moi je te dis non, le 29 Adar. Besrim Metisha Beadar, le 29 Adar. Donc il y a peut-être un jeu d'un jour qui se produit, on va expliquer pourquoi. Et en plus de ça, par rapport à Shavuot, toi tu m'as dit 15 jours avant Shavuot, moi je te demande non, Be'echad Nissan, au premier Nissan.
Et toi, tu m'as dit, ah, 15 jours avant Soukhot, qui n'est pas exactement 15 jours, comme on regarde dans la Mishnah, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc tu passes le 29 Av, donc un mois et demi avant. Ouais, 15 jours avant Soukhot. Ça sort à la veille de Rosh Hashanah, ça sort en Rosh Hashanah même, concrètement. En Rosh Hashanah, on ne peut pas égorger, donc on va le faire le 29, comme on regarde dans la Mishnah. Eh bien non, Ben Hazet te dit, tu fais pas le 29 Tishri, tu fais le 29, pas le 29 Elul, tu fais le 29 Av. Oula, il faut expliquer. Alors on commence. Il y a d'abord, premièrement, la petite discussion sur 15 jours avant Pessah ou le 29 Adar. C'est une petite discussion technique, à savoir, vous savez qu'à l'époque, on sanctifiait les mois selon le témoignage du renouvellement de la Lune. D'accord, les témoins voyaient la Néoménie, le renouvellement de la Lune, et ils venaient témoigner au Bedin. Maintenant, il y a une petite discussion technique entre Ben Hazaï et Rabbi Akiva. C'est est-ce que le mois de Adar, donc le dernier mois de l'année, est-ce qu'il pouvait contenir 30 jours ou bien nécessairement que 29 jours? À notre époque d'ailleurs, on fait comme Ben Hazaï, qu'on a toujours 29 jours uniquement. Ça n'existe pas d'avoir le 30 Adar. On peut avoir le 30 Adar Aleph quand il y a 30 Adar Bet, comme ce qu'on a eu cette année. Mais il n'y aura jamais de 30 Adar normal quand il n'y a pas d'année bissextile, ou le 30 Adar Bet, ça n'existera pas directement. Il y a des raisons pourquoi, mais on n'est pas en train d'étudier le calendrier lunaire. Maintenant, donc, selon Ben Hazaï, c'est vrai que je te demande de faire 15 jours avant Pessah. Mais 15 jours avant Pessah, ça veut dire forcément le 29 Adar. Selon Rabbi Akiva, il n'a pas pu s'exprimer de cette manière, parce que des fois, ça arrive d'avoir un 30 Adar. Donc, 15 jours avant Pessah, tu vas peut-être te retrouver dans le 30 Adar. Mais te demande le 29 Adar. Parce qu'il est entre parenthèses, te dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'avoir un 30 Adar. Ensuite, Echad Benissan. Le premier Nissan, là, il y a une petite nuance. Apparemment, je ne sais pas exactement comment. J'ai pas tellement vécu avec les animaux, à mon grand regret. Et il y a donc, concrètement, en tout cas, apparemment, la haute naissance, elle se passe avant Pessah. Mais de Pessah jusqu'à Shavuot, les bêtes, les animaux, apparemment, mettent moins bas. Peut-être parce que la durée est même plus courte, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a moins de naissance. Maintenant, s'il y a moins de naissance, alors on va se retrouver en problème. Si on fait comme ce que toi, tu as proposé, Rabbi Akiva, de faire 15 jours avant Shavuot, c'est vrai qu'il va y avoir tellement de peu de bêtes qu'en fait tu vas prélever 15 jours avant Shavuot, après dès que tu as fini de prélever, tu vas les mettre en vente. Les gens vont acheter, ils vont se faire à la hache, ils vont se faire des barbecues, ils vont se faire des trucs, et puis après on arrive à Shavuot, il n'y aura plus d'animaux. Je te demande, pour Shavuot, repousse la borne, laisse plus de temps, repousse la borne, comme ça tu es vraiment très proche de Shavuot, comme ça tous les animaux qui sont en vente, les gens ils ont déjà les yeux rivés vers Shavuot pour pouvoir acheter en l'honneur de Shavuot. D'accord? Ça c'est pour ça qu'il a demandé de faire le Be'echad Benissan. Maintenant, pour le Esrim Betisha Be'av, pour le faire le 29 Av et pas le 29 Elul, ça, c'est lié à ce qu'on a évoqué au tout début et qui est rapporté à la fin de la Mishnah. Que selon Ben Hazaï, en fait, on a évoqué qu'il y a deux avis sur le Rosh Hashanah pour le Maaser Bema. C'est quoi la borne à partir de laquelle tu démarres la nouvelle année? Est-ce que c'est Rosh Hashanah, le premier Tishri, ou bien est-ce que c'est le 29 Elul? Est-ce que c'est le premier Elul? D'accord, il y a une requête sur c'est quoi Rosh Hashanah, avec Ben Hazaï qui vient et qui a un doute sur le premier Elul. Est-ce que c'est le premier Elul ou le premier Tishri? Dans le doute, alors on a dit qu'on ne peut pas prélever d'une année sur l'autre. Puisque tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle année, est-ce que ça commence le premier Elul ou le premier Tishri? Alors il s'avère que maintenant, je vais te demander de prélever vite, tous les animaux qui sont nés. On est en maintenant Tafshina in Tet, 79. Alors tu prélèves tous ceux qui ont jusqu'au 29 Av. Tu les prélèves indépendamment. À partir du 1er Elul, on commence un nouveau cycle. Peut-être, mais dans le doute, on n'est pas sûr de notre coup. Peut-être que c'est encore lié à l'année d'avant, peut-être que non. Donc on commence. Si tu en as eu 10 qui sont nés, tu les prélèves. Mais si tu n'en as pas eu 10 qui sont nés, tu arrêtes maintenant le 29 Elul, tu mets tout ça de côté, et puis on démarre, on reprend une nouvelle page blanche, et on redémarre de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est possible que un animal qui va naître le 18 Elul, et il va compléter les animaux qui sont nés en Av, où il va démarrer la série qui va naître en Tishrei Cheshvan. On ne sait pas, on a un doute. Dans le doute, tu ne peux pas prélever d'une année sur l'autre. Donc les Elul, c'est ce qu'il avait dit la dernière phrase, Eluliin, ceux qui sont nés en Elul, eh bien, mit Asrin, mit Natsman, ils se font prélever indépendamment. Ça, c'est la fin de la Mishnah. De ce fait, Ben Hazaï te dit maintenant, dans notre Mishnah, que la borne pour prélever les animaux qui vont naître en été, ce sera le 29 Av. Parce que démarre le premier Elul, on ne sait pas, peut-être qu'on a commencé la nouvelle année, tu ne peux plus reporter tu peux plus différer le prélèvement pour après plus tard, parce que du coup tu risques de mélanger les animaux qui vont naître en Elul avec ceux qui sont nés en Av. D'accord?
Maintenant, on continue la Mishnah. Ça, donc on a, bon, j'aime bien qu'on l'explique. On a eu Rabbi Akiva et Ben Azaï. Maintenant, les autres avis, ça va être des animaux, ça va être des avis un petit peu intermédiaires. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. C'est intéressant que ce soit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Si c'est Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il est avec son père dans la grotte. Comment est-ce qu'on pourrait dire que Rabbi Elazar avant Rabbi Shimon? Je suis étonné. Donc, ce serait plus logique de dire Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Je ne sais pas, j'ai une correction chez moi dans la Mishnah. En tout cas, c'est discuté, je ne sais pas. Rabbi Eliezer, Eliezer et Rabbi Shimon nous enseignent encore non. Be'echad be'nissan, be'echad be'sivan, be'esrim be'tisha be'elul. Alors, on va faire un petit peu le point là dans ce qu'il a. Finalement, ça nous fait, par rapport à Nissan, bien sûr, ça approche de Pessah. Alors regardez, on avait jusqu'à maintenant, on a dit 15 jours avant Pessah. Ou bien 29 Elul. Lui, alors on a expliqué la différence, c'était quoi? Parce que ça dépend des fois Adar, il a 29, des fois il a 30 jours selon Rabbi Akiva. Donc de ce fait, on a jusqu'à maintenant soit 29 Adar, 30 Adar, ou là maintenant on a un nouvel avis qui nous dit 1er Nissan. Lui pense parce qu'en réalité on commence à apprendre les halakhot de Pessah, c'est une marloquette. Est-ce qu'il faut 30 jours avant la fête? Ou bien est-ce qu'il faut 15, 2 Shabbat, 2 semaines avant, 15, 14 jours avant? De ce fait, lui va te dire, bah forcément, tu vas te retrouver avec le 14 Nissan. 1er Sivan, 14 Nissan, c'est Pessah, 14 au soir. Donc tu commences depuis le 1er Nissan. Ouais, c'est plus que la moitié des 30 jours de révision, c'est les 14 jours de révision. Dès que ça commence tout de suite, tu vas prélever. Ça, c'est 1. Ça, c'est pour Echad Ben Nissan. Echad Ben Sivan, c'est la même raison que Ben Azaï. Et Esrim et Tisha Ben Loul, alors c'est selon le même principe, sauf que cet avis-là, il considère que Rosh Hashanah, pour définir quand démarre la nouvelle année des animaux, eh bien le Rosh Hashanah, il est fixé à partir du Rosh Hashanah, donc justement du premier Tishri. Seulement, alors quoi? Alors prélève le premier Tishri, pourquoi tu me dis de faire le 29 Elul? Velama amrou be'esrim be'tisha be'elul, velo amrou be'echad be'tishri. Pourquoi dans ce cas-là tu me dis de prélever le 29 Elul, et pas de prélever au premier Tishri? C'est déjà, alors viens attendre la nouvelle année. Réponse, mi peneshi ou Yom Tov, parce que c'est Yom Tov. Et alors, on sonne le chauffard, et alors prélève, non. Ve'yev char la serve Yom Tov, tu peux pas prélever pendant Yom Tov. Pour quelle raison le Bartanoa nous apporte que le berger, quand il comptait le dixième et qu'il voulait désigner un dixième, il avait un pinceau avec du rouge dessus et qu'il le peignait. Il lui mettait un petit coup de pinceau rouge sur la tête. Et comme ça, on désignait qui allait être le Bechor, le Maaser. Du coup, on ne peut pas teindre pendant Yom Tov, c'est sourd. Donc, tu le feras le 29 Elul. D'accord, il y a encore une deuxième raison pourquoi, on ne va pas rallonger trop, et pourtant il rapporte qu'en réalité, une deuxième raison, pourquoi il a fallu différer un jour, marquer bien, distinguer qu'on ne prélève pas d'une année sur l'autre, on ne va pas trop rallonger, le cours est déjà assez long. Maintenant, on arrive maintenant à la fin de la Mishnah, donc l'efficace Gdimu, Bessrim et Dishavelo, c'est pour ça que je t'ai demandé de le devancer, de le faire depuis le 29 Elul. Rabbi Meir Omer, maintenant, Rabbi Meir vient, et on va cette fois-ci voir la discussion concrète. Est-ce que le Rosh Hashanah des Maaser Bema, c'est le premier Elul, premier Tishri, ou est-ce qu'on a un doute? On a vu à l'instant Rabbi Eliezer, ou Rabbi Elazar, et Rabbi Shimon qui ont dit que c'est le premier Tishri. Rabbi Meir Omer, non, Be'echad Be'elul Rosh Hashanah le Maaser Bema. C'est le premier Elul qui est le Rosh Hashanah pour définir le nouvel an des prélèvements des nouveau-nés. Ben Azaï Omer, selon Ben Azaï, non. Ha'eluliyin mit asrin bifnatzman. Ceux qui naissent en Elul se font prélever indépendamment. Parce qu'il a un doute, est-ce que le Rosh Hashanah des Maaser Bema, c'est le premier Tishri ou bien premier Elul? Donc dans le doute, l'Elul ne s'associe ni avec l'année d'avant, ni avec l'année d'après. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzachakol, tout ça.